face aux événements qui se sont passés hier à Conakry et qui ont conduit à des morts d'hommes. Et je condamne énergiquement ces gestes qui conduisent à des morts d'hommes. Le gouvernement ne s'inscrit pas du tout dans cette logique. Je commencerai d'abord par présenter mes sincères condoléances aux victimes et aux parents des victimes. Ensuite, dès que l'événement s'est passé, j'ai appelé le directeur général de la police pour lui dire, un, je veux savoir il y a eu combien de morts, dans quelles circonstances il y a eu ces cas de mort, à quel endroit et à quelle heure, et surtout, qui a tué qui. Et j'ai conclu en lui disant que s'il y a des têtes qui tomberont, des têtes tomberont, mais ce genre d'événements ne doivent pas du tout se produire. Ce n'est pas en relation avec la logique de changement voulue par son Excellence, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas du tout normal. Et moi, en tant que ministre de la Sécurité, je suis profondément choqué et je ne suis pas du tout content. Et je peux vous garantir que toutes les dispositions vont être prises pour éclairer ça et les coupables seront punis à tous les niveaux.